Elle se sentait ravie d'être riche. Ce qu'elle voulait lui était livré dans la seconde suivante. Ses nouvelles robes Chanel préférées pouvaient lui être livrées directement à domicile pour qu'elle fasse son choix. Si elle voulait un sac spécifique, elle pouvait l'obtenir, peu importe le prix. Cette sensation était comme flotter dans les nuages, et Hailey ne voulait jamais redescendre sur terre tant qu'elle vivrait. Chapitre 8 Ramener son fils à la maison Cependant, Ellie avait un mauvais pressentiment qu'anastasia rentrerait soudainement chez elle et apprendrait la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit-là si cela se produisait elle perdrait tout et serait contrainte de vivre sa vie comme avant à cette pensée elle se disait qu'elle ne laisserait jamais quelque chose comme ça arriver ainsi lorsqu'Eliot la ramena au manoir après le dîner et il l'invita subtilement à entrer dans la maison elliot veux-tu entrer et prendre une tasse de thé non merci j'ai encore des choses à faire. Mais j'ai peur d'être seule. Je veux que tu me tiennes compagnie. Et il y essaya immédiatement de jouer sur la sympathie de l'homme en faisant semblant d'avoir peur. Je vais demander à Natacha de t'accompagner. Elliot attrapa son téléphone portable. Non. S'il te plaît. Je veux juste t'accompagner. Mais j'ai vraiment quelque chose à faire au travail. Peut-être la prochaine fois. Eliot la regarda gentiment. Repose-toi bien. Bonne nuit. Et il y fut déçu en entendant la réponse de l'homme, mais l'attitude soumise de celui-ci l'incita à arrêter d'insister subtilement en hochant amèrement la tête. D'accord alors. Fixant les yeux sur la voiture d'Eliot, elle se mordit la lèvre en souhaitant pouvoir être dans les bras de l'homme. Je jure que je ferai de lui mon homme un jour. Je serai la femme que toutes les autres environt. Pendant ce temps, Anastasia décida de profiter de sa merveilleuse journée pour inspecter quelques magasins avec Félicia. Le temps passa rapidement et elle décida de quitter le travail plus tôt que d'habitude, vers 16h30, en pensant qu'elle voulait ramener son fils à la maison pour le présenter à son père. De son côté, Francis avait spécialement informé le cuisinier de la résidence Tillman de préparer le dîner pour l'arrivée d'Anastasia, mais Naomi s'était assurée que le cuisinier ne prépara que les plats préférés de sa fille, sans penser un instant à Anastasia. Bientôt, la femme de chambre arriva et demanda Madame, le vieux maître Tilman a dit que les crevettes étaient les préférées de la jeune maîtresse Anastasia, c'est pourquoi il m'a demandé d'en acheter. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je les cuisine Bien sûr que non. Vas-y, cuisine les crevettes, mais fais en sorte qu'elles soient si épicées que cette garce regrette de les avoir mangées, répondit Naomi. Aussitôt que la femme de chambre se mit à faire ce qu'elle lui avait demandé, Naomi s'énerva en pensant aux intentions d'Anastasia en revenant à la maison. Au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'Anastasia était de retour pour une part de l'énorme gâteau, maintenant que Francis et sa société allaient si bien et avaient accumulé une fortune de plusieurs milliards. Tant que je suis dans cette famille, Anastasia peut oublier sa part d'héritage. Maman, est-ce que tu sais qu'Anastasia va revenir dîner? Erika entra dans la pièce, frustrée. Naomi hocha la tête. Ton père insiste pour qu'elle se joigne à nous pour le dîner, et je n'ai rien pu dire à ce sujet. Cela fait cinq ans. Je me demande comment elle va maintenant. Erika pinça les lèvres. Comment sa vie peut-elle être bonne, elle n'a même pas terminé ses études universitaires lorsqu'elle est partie à dix-neuf ans. À mon avis, elle doit être de retour pour l'héritage parce qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Naomi grogna insatisfaite. Tu ne dois pas la laisser prendre ce qui est à moi, maman. Je possède tout ce qui appartient à papa, déclara Erika avec audace, comme si elle était l'héritière légitime de l'héritage de son père. Bien sûr, elle n'a rien à voir avec l'héritage du tout, répondit Naomi fermement. D'accord, je vais me maquiller et mettre ma nouvelle robe. Erika monta à l'étage dès qu'elle eut fini ses mots, Pensant qu'elle devait montrer à Anastasia que sa place dans la famille Tilman était irremplaçable. De son côté, Anastasia prit un taxi et se dirigea vers la résidence Tilman avec son fils, tout en lui expliquant ce qu'il devait faire plus tard. Heureusement, son fils était un enfant intelligent qui comprenait ce qu'Anastasia lui disait, ce qui la fit fondre et elle l'étreignit et l'embrassa immédiatement. C'est mon cher garçon. Au fond d'elle-même, elle compatissait avec son propre fils pensant qu'il serait peut-être traité différemment s'il était né dans une autre famille. En même temps, elle trouvait ironique que sa présence soit accueillie de manière hostile dans la maison de son père. Pendant ce temps, Francis se trouvait justement à sa porte d'entrée. Il était rentré plus tôt que d'habitude parce qu'il était impatient de retrouver sa fille, qui avait été loin de lui pendant cinq ans. Bientôt, il vit un taxi venir dans sa direction et s'approcha lorsque la voiture s'arrêta. Puis, une femme à la silhouette fine descendit du véhicule et se révéla être Anastasia. Peu après, il vit un garçon émerger de derrière Anastasia et fut complètement stupéfait par ce qu'il vit. Comment se fait-il que ma fille ait un petit garçon qui semble avoir quatre ou cinq ans avec elle Est-elle Francis ne put s'empêcher d'être surpris par ce qu'il vit. Pendant ce temps, Anastasia regarda son père, réalisant à quel point il avait vieilli après cinq ans. À cause de cela, elle commença à comprendre ce qui s'était passé à l'époque tout en se reprochant de ne pas avoir gardé contact avec Francis pendant ces cinq années. Je suis de retour, papa. Anastasia saisit la main de son fils et s'approcha de Francis. Puis, elle regarda son fils et dit, Jared, salue ton grand-père. Grand-père. Jared a levé les yeux et a appelé Francis. Grand-père Francis fut surpris d'entendre la voix de l'enfant et regarda Jared avec émerveillement. C'est mon, petit-fils Tu as déjà un enfant Oui, papa. Il s'appelle Jared, et il a trois ans et demi. Anastasia refusa de révéler à Francis l'âge réel de son fils, car elle ne voulait pas que son père déduise quand elle avait donné naissance à Jared. Trois ans et demi, et il est déjà si grand. Francis trouvait incroyable qu'il ait déjà un si beau petit-fils. Oui. Anastasia sourit. Et le père de ton fils demanda Francis. Je n'ai jamais vécu avec lui depuis que j'ai donné naissance à Jared, répondit Anastasia. Oui, je n'ai vécu qu'avec maman tout ce temps, grand-père, ajouta l'enfant. Les yeux de Francis se remplirent de larmes lorsqu'il réalisa qu'il n'avait rien fait pour aider sa fille à élever son petit-fils. Je suis un si terrible, grand-père. Pire encore, j'ai chassé ma propre fille de la maison il y a cinq ans. C'est de ma faute. Tout est de ma faute, Anastasia. Je te demande pardon. Je suis sûre que je me rattraperai. Francis était submergé par sa propre culpabilité. Il n'y a pas besoin de cela. J'arrête et moi nous en sommes bien sortis tous seuls. Anastasia ne voulait pas que la culpabilité de son père l'accable. Entre donc. Laisse-moi t'étreindre, mon cher Jared. Francis se pencha et prit Jared dans ses bras, pensant que l'enfant était bien nourri en raison de sa constitution solide. En dehors de cela, il était fier de la beauté de son propre petit-fils, car il considérait que Jared était l'enfant le plus beau qu'il ait jamais vu. Dès qu'Anastasia entra dans le salon avec son père, Naomi vit son mari tenir un enfant dans ses bras et demanda avec surprise. Qui est cet enfant, chérie Naomi, c'est le fils d'Anastasia. Elle a eu un enfant lorsqu'elle vivait à l'étranger, annonça joyeusement Francis, montrant son exaltation devant l'arrivée de son petit-fils. Après tout, son plus grand regret était de ne pas avoir eu de fils, bien qu'il n'était pas particulièrement attaché à cette idée. Par conséquent, il traitait le fils de sa fille comme le sien propre, car Jared était toujours le descendant de sa lignée. Quoi Naomi fut stupéfaite d'apprendre que l'enfant était le fils d'Anastasia. Maman, salua froidement Anastasia Naomi. Oh Mon Dieu Nous ne savions pas que tu étais déjà maman après cinq ans. Pourquoi ne nous as-tu rien dit Prétendit Naomi montrer sa préoccupation, pensant que c'était un geste nécessaire à faire même devant son mari. Qui est le père Pourquoi n'est-il pas là Naomi, Anastasia élève l'enfant toute seule, rappela rapidement Francis à Naomi d'arrêter de poser des questions inutiles. À cet instant, Naomi pensa immédiatement qu'Anastasia allait utiliser son fils pour réclamer une plus grande part de l'héritage, les considérant tous les deux comme une plus grande menace, lorsqu'elle remarqua à quel point Francis aimait le garçon. Oh. Une mère célibataire, comme c'est touchant et noble. Dit Naomi d'un ton sarcastique. Le garçon, semblant percevoir ce que le ton de Naomi signifiait, regarda la dame et demanda Qui êtes vous? Naomi regarda l'enfant d'un air méfiant et dit Salut ta grand-mère. Ma mère m'a dit que ma grand-mère était décédée il y a longtemps, alors comment pouvez-vous être ma grand-mère demanda le garçon, son innocence et sa pureté dévoilant indirectement les mauvaises intentions de Naomi. Oh mon Dieu, regardez cet enfant Quel impoli Anastasia, si tu ne lui apprends pas les bonnes manières, comment peux-tu espérer qu'il vive décemment en grandissant Remis en question Naomi l'éducation d'Anastasia d'un ton agacé. Le comportement de mon fils ne vous regarde pas, prit la défense Anastasia de son enfant. Chapitre 9. Conflit d'héritage. Connaissant l'histoire tendue entre les femmes, Francis lança un regard furieux à Naomi et la sermonna. Anastasia et son fils viennent tout juste d'arriver, donc il n'est pas nécessaire d'être aussi sarcastique. Entendez-vous bien, voulez-vous Qui est ce gamin, maman Erika apparut dans l'escalier, curieuse en voyant son père avec un enfant dans les bras. Attention à ton langage. C'est ton neveu, que ta sœur a mis au monde quand elle vivait à l'étranger. Répondit Naomi d'un ton mécontent. Les yeux d'Erika s'écarquillèrent instantanément. Quoi Elle descendit les escaliers et s'approcha d'Anastasia. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu de ton enfant Qu'est-ce qui ne va pas On ne peut pas le voir Comment peux-tu dire quelque chose comme ça, Erika Jared fait partie de notre famille maintenant, alors je veux que tu retires tes paroles. Gronda Francis en lançant un regard mécontent à la jeune femme. Naomi remarqua la réaction de son mari et éprouva immédiatement une rancune encore plus profonde envers Anastasia. Elle peinait à croire que son attitude envers Erika avait en changé simplement à cause de Jared. Pépapa, je montre juste ma préoccupation pour elle. Erika se défendit amèrement. Viens ici. Je vais t'emmener faire une promenade dans le jardin. Proposa Francis afin de passer du temps avec Jared. Dès que Francis partit avec Jared, Erika s'approcha d'Anastasia avec un sourire glacial. Tu as eu une liaison avec un homme marié et tu as donné naissance à cet enfant illégitime, n'est-ce pas Bien que les yeux d'Anastasia soient emplis de haine, elle ne pouvait jamais oublier ce qu'Erika et Ellie lui avaient fait à l'époque. Pour cela, elle s'était promis de ne jamais leur pardonner à toutes les deux pour ce qu'elle lui avait fait subir. Mon histoire ne te concerne pas, répondit froidement Anastasia. Pour une raison quelconque, Erika commença à penser qu'Anastasia était devenue plus belle, dégageant désormais une aura plus dominante, par rapport à qui elle était il y a cinq ans. À cet instant, elle commença à ressentir encore plus de jalousie envers la beauté d'Anastasia. Elle pensait qu'il n'y aurait plus personne sur son chemin après le départ d'Anastasia de la famille tilman pourtant elle fut surprise par sa peau claire, sa silhouette élancée et son calme lorsqu'elle se revire. Nom d'un chien, on dirait même qu'elle n'a jamais accouché. Anastasia, je ne sais pas ce que tu manigances en revenant ici, mais je te mets en garde, oublie toute idée stupide que tu as en tête. Cette famille n'a rien à voir avec toi. La menace à Naomi. Anastasia « Je ne sais pas ce que tu manigances en revenant ici, mais je te mets en garde, ou... »« Oublie toute idée stupide que tu as en tête. »« Cette famille n'a rien à voir avec toi. »« La menace à Naomi. »« Toi. »« Connais ta place, Anastasia. »« Je t'ai chassé de la famille tellement il y a cinq ans, et je peux tout aussi bien le refaire. » Erika essaya d'intimider Anastasia. « Mon père est la seule personne pour laquelle je suis revenue dans cette famille. » ce qui n'a rien à voir avec vous deux. De plus, mon père peut faire ce qu'il veut de son héritage, ce qui, encore une fois, ne vous concerne pas, réfuta Anastasia en ridiculisant Erika et Naomi. En parlant de cela, ne pense même pas que tu vas obtenir une plus grande part de l'héritage avec ton fils, grâce à Naomi. Mon père est encore en vie et a encore de longues années devant lui, mais vous ne cessez de parler de son héritage. Vous le voulez tellement parti si c'est le cas, je veillerai à ce qu'il vive longtemps pour que vous puissiez oublier l'idée d'hériter de sa fortune. Anastasia répondit froidement, sachant que Erika et Naomi n'aimaient son père que pour son argent et non pour l'homme qu'il était. Toi. Naomi resta sans voix mais réagit immédiatement pour sauver la face. C'est mon mari, alors bien sûr que je veux qu'il vive longtemps. Erika défendit rapidement sa mère. De quoi tu parles, Anastasia Ma mère aime mon père. Néanmoins, Anastasia attrapa son téléphone et s'assit sur le canapé, refusant de continuer à écouter la mère et la fille. Bientôt, la domestique commença à servir les plats pendant que Francis demandait à ce qu'on prépare deux plats non épicés pour son petit-fils. Voyant cela, Naomi et Erika bouillonnaient de colère, car elles pouvaient voir dans les yeux de Francis qu'Anastasia commençait à regagner sa faveur grâce à son fils. Quel est ton métier, Anastasia demanda Francis curieusement pendant le repas. J'ai étudié la conception de bijoux quand je vivais à l'étranger, et je suis maintenant designer chez Bourgeois. Pas mal. Bourgeois est un nom assez connu, complimenta Francis Anastasia. Je cherche aussi un emploi, papa. Je suis actuellement en train de passer des entretiens pour devenir modèle dans un salon automobile, introduisit désespérément Erika son travail à son père. Quel genre de travail est-ce Tu ferais mieux de démissionner avant de m'embarrasser, lança Francis à Erika, lui donnant un regard sévère. Chérie, Erika s'amuse juste en explorant les opportunités qui s'offrent à elle. Je suis sûre qu'elle finira par venir travailler dans ton entreprise. Intervint immédiatement Naomi pour défendre sa fille. HMPF. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans mon entreprise Une réceptionniste grogna froidement Francis. D'un autre côté, Erika nourrissait une forte rancéure envers Anastasia, la tenant pour responsable de lui avoir indirectement révélé ses faiblesses. Grand-père, ma mère était une designer impressionnante. Elle avait même participé au concours international de conception de bijoux, dit joyeusement Jared. Les paroles de l'enfant firent sourire Francis. Vraiment C'était génial. Jared, je t'achèterai un cadeau cet après-midi, dis-moi simplement ce que tu veux. D'accord Bien sûr, merci, grand-père, répondit poliment le petit garçon en exprimant sa gratitude. Alors qu'Anastasia était heureuse de voir à quel point son père aimait Jared malgré sa surprise, Naomi et Erika devenaient de plus en plus agacées par la présence de l'enfant, le considérant comme un petit garçon manipulateur dont il fallait se méfier, malgré son jeune âge. Après le dîner, Francis les emmena au centre commercial le plus proche. Où il acheta à son petit-fils des cadeaux coûteux, y compris des jouets robots et des Legos. Bien qu'ils coûtassent des milliers, il n'hésita pas à les payer du tout. Après le dîner, Francis les emmena au centre commercial le plus proche, où il acheta à son petit-fils des cadeaux coûteux, notamment des jouets robots et des Legos. Bien qu'ils coûtassent des milliers de dollars, il n'hésita pas à les payer. D'accord, d'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Je lui achèterai autre chose dans quelques jours déclara Francis en éprouvant toujours le besoin de montrer sa bonne foi. L'enfant répondit avec maturité, ce qui fit grandir l'affection de Francis à mesure qu'il caressait la tête de l'enfant. Lorsqu'ils eurent terminé leurs achats, Francis raccompagna sa fille et son petit-fils jusqu'à leur appartement. En voyant l'immeuble, il commença à penser qu'il était temps de se racheter auprès d'Anastasia, car sa société lui avait rapporté une petite fortune au cours des dernières années. Après avoir accompagné son père, Anastasia prit Jared dans ses bras. Jared, ton grand-père semblait beaucoup t'aimer. Je l'aimais aussi. Jared dit joyeusement en faisant la moue. Maman, pouvais-tu me dire où était papa Anastasia fit une pause face à la question inévitable qu'elle savait que Jared poserait. Elle le regarda alors sérieusement et dit Je ne savais pas où il était, Jared. En fait, nous ne le reverrions peut-être jamais. Mais quoi qu'il en soit, je te promets que je serai à tes côtés. Je t'aime, mon chéri. Jared hocha la tête et leva son lego en l'air. D'accord, je vais jouer maintenant. Amuse-toi bien. Acquiesça Anastasia, regardant son fils déballer ses nouveaux jouets tout en se perdant dans ses pensées. Au fond d'elle-même, elle savait qu'il n'était pas difficile de retrouver le père de son fils, car elle était convaincue qu'Erika et Ellie avaient la réponse à cela. Après tout, elle croyait qu'il l'avait piégée en lui faisant coucher avec un gigolo, mais à cause de cela, elle avait juré de ne jamais laisser son fils tomber entre leurs mains. Maintenant qu'elle était de retour dans la famille Tillman, elle était déterminée à découvrir la vérité et à rendre justice à Jared. C'est bien. J'aimais Jared et c'était suffisant pour nous deux. Maintenant que mon père l'aimait aussi, je suppose qu'il n'y avait rien d'autre qui aurait pu rendre ma vie encore plus heureuse qu'elle ne l'était à ce stade. Chapitre 10. La sonde de Hailey. Énervée et agacée, Erika pensa immédiatement à Hailey, qu'elle considérait comme la seule personne capable de l'aider à comploter contre Anastasia. Elle la contacta donc pour la rencontrer dans un café. Lorsqu'Hailey arriva, elle était habillée de manière peu remarquable. Comme d'habitude, elle s'approcha d'Erika et s'assit en face d'elle. « Tu as dit que tu étais partie en voyage. Où es-tu allée ?» demanda curieusement Erika. C'était juste un court voyage en ville pendant quelques jours. Après tout, j'avais besoin de me reposer. Répondit Élise d'un ton paniqué, car elle ne voulait pas que Erika sache qu'elle vivait comme une femme riche ces derniers temps. Et ta boutique Tu ne vas pas reprendre les affaires Na. La boutique ne marche pas bien ces derniers temps de toute façon, donc j'ai décidé de faire une pause. Ellie semblait indifférente malgré la situation préoccupante de son entreprise. Erika répliqua d'un ton agacé. Tu sais quoi Anastasia a exaspéré ma mère et moi aujourd'hui. Elle est de retour, mais ce n'est pas tout, elle est maintenant la mère d'un enfant illégitime. Eilie fut stupéfaite en entendant cela, elle prit la main d'Erika anxieusement et demanda Qu'est-ce que tu viens de dire Elle a un enfant Remarquant la réaction dramatique de son amie, Erika fit une pause de quelques secondes et réconforta la première. Cet enfant est son fils illégitime. As-tu peur qu'elle amène l'homme avec qui nous l'avons mise dans son lit et qu'elle vienne nous chercher Détends-toi, rien ne va se passer. À quoi ressemble l'enfant Quel âge a-t-il Eilie devint particulièrement sensible, pensant qu'il était nécessaire pour elle de tout savoir sur Anastasia. Au fond d'elle, elle se demandait inconsciemment si l'enfant d'Anastasia était d'Eliot. J'ai entendu dire que l'enfant a trois ans et demi. Et le père est probablement quelqu'un avec qui elle a couché lorsqu'elle vivait à l'étranger. Répondit Erika d'un ton peu réjoui. Trois ans et demi y calcula soigneusement le temps et déduisit que l'enfant n'était pas d'Eliot, ce qui la soulagea instantanément. Elle n'avait eu qu'une aventure d'un soir avec Elliot. Non, il n'était pas possible qu'elle soit tombée enceinte si facilement en une seule nuit. En pensant à cela, Haile céda à sa curiosité et demanda à Erika plus de détails sur Anastasia. Comment va-t-elle maintenant Où travaille-t-elle Elle est maintenant designer chez Bourgeois, mais en quoi est-ce si important Elle n'est qu'une designer ordinaire Erika était visiblement mécontente. En même temps, Ellie partageait le mépris et le dédain qu'Erika avait pour Anastasia, exprimant exactement ce qu'elle avait en tête. Eh bien, je dois admettre qu'elle était toujours douée pour le dessin, mais elle n'a même pas obtenu de diplôme universitaire, alors jusqu'où peut-elle aller dans sa carrière de designer? Exactement. C'est juste une imposteuse qui essaie de se donner des airs intelligents, mais elle réussit à gagner les faveurs de mon père. En plus de ça, même son fils idiot sait comment rendre mon père heureux. Des bêtises. Erika ne se souciait plus de sa retenue alors qu'elle agissait comme sa mère fougueuse. Pendant ce temps, Ailey, plus rusée et calculatrice, lui offrit un conseil. Tu sais quoi, Erika Tu devrais la chasser de la maison, et probablement même hors de ce pays, puisque tu ne l'aimes pas autant. Tu dois te débarrasser de cette tâche à tes yeux, après tout. C'est exactement ce que j'ai en tête. Quand le moment viendra, je m'assurerai qu'elle soit partie. Erika serra les poings et jura en elle-même. Cependant, Erika ne se doutait pas que Hailey ne voulait rien de plus qu'Anastasia disparaisse à jamais, car c'était la seule façon pour elle de continuer à profiter de sa vie aisée et de la faveur d'Eliott. Soudain, Erika fut attirée par le collier que portait Haile. Hailey, de quelle marque est le collier que tu portes Il est si beau. Haile frotta son collier avec un sourire. Oh, c'est juste une contrefaçon que j'ai achetée à un vendeur d'occasion. Sachant le contexte financier de Hailey, Erika ne trouva rien de mal à son incapacité à acheter un collier authentique. Cependant, le collier que portait Hailey était en réalité un produit valant plus de 2 millions de dollars sous QR Joëlry Group. Inutile de dire qu'elle ne savait pas qui avait conçu le collier. En entendant les plaintes et les grognements d'Erika, Hailey ne pouvait s'empêcher de regarder l'heure à cause de son rendez-vous chez le dermatologue. Après tout, elle était tellement obsédée par le fait de gagner le cœur d'Eliot qu'elle voulait même subir une chirurgie plastique pour se rendre plus belle. Fatiguée d'être éclipsée par Anastasia depuis leur enfance, Ellie voulait désespérément dire adieu à son apparence ordinaire. Trois jours plus tard, vers 5 heures du matin, Ellie fit un mauvais rêve dans lequel elle vit Elliott reconnaître Anastasia lorsqu'elle la confronta. À cause de cela, elle fut brutalement rejetée du manoir et oubliée alors qu'elle regardait Anastasia lui prendre tout. Non. S'il te plaît. Non. Eiley se redressa brusquement, le visage couvert de sueur, en regardant frénétiquement son environnement jusqu'à réaliser que ce n'était qu'un rêve. Effrayée par ce cauchemar surréaliste, Eiley comprit qu'elle ne pourrait plus mettre la main sur ce que Elliot lui avait donné une fois qu'elle les aurait tous perdus. Sa cupidité pour la richesse prenait le dessus, son obsession pour le confort actuel de sa vie prenant le contrôle de son esprit. Non, je ne dois pas perdre ce que j'ai maintenant. Je ne dois pas. Elle jeta bientôt son oreiller par terre, comme si c'était Anastasia. Pourquoi n'es-tu pas morte, Anastasia Pourquoi n'es-tu pas morte Anastasia ne sera une menace pour moi que tant qu'elle respirera. Soudain, Ellie plissa les yeux et réalisa qu'il était nécessaire de rencontrer Anastasia, car elle voulait savoir si cette dernière était au courant de ce qui s'était passé à l'époque. Plus important encore, elle voulait savoir si Anastasia savait qu'elle avait passé la nuit avec Elliot. « Si Anastasia sait ce qui se passe, je suppose que je dois faire quelque chose pour éviter le pire. » Malgré cette pensée, Hailey était sûre qu'Elliot ne pouvait pas se souvenir de qui il avait passé la nuit avec ce soir-là, car la montre était le seul indice qu'il avait avant de décider que c'était Hailey qu'il cherchait. Cependant, elle s'inquiétait rapidement d'une autre possibilité en se demandant ce qui se passerait si Anastasia pouvait reconnaître Elliot. Elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais il était possible que les mots qu'ils avaient échangés pendant leur conversation puissent leur rappeler des souvenirs et les aider à se reconnaître. Submergée par sa peur et son anxiété, y décida de se faufiler hors de son lit et de s'habiller parce qu'elle voulait rencontrer Anastasia chez Bourgeois pour savoir ce qu'elle savait. Pendant ce temps, Anastasia se dirigeait vers son bureau après avoir déposé son fils à l'école tôt le matin. Ensuite, elle était occupée par une réunion sur le lancement du nouveau produit de l'entreprise où félicia voulait que tout le monde soumette plus de dix propositions d'ici la fin du mois lorsque tout le monde quitta la salle de réunion alice heurta intentionnellement anastasia et la provoqua j'ai entendu dire que le président presgrave a augmenté la récompense à un million alors tu devrais savoir que je ne serai pas vaincue par toi anastasia en cet instant anastasia fut stupéfaite par la provocation soudaine d'alice ce qui la fit se demander ce qu'Eliott dansait avec cette récompense d'un million. D'une manière ou d'une autre, elle avait le sentiment qu'Eliott cherchait à interférer dans la compétition, compte tenu de son pouvoir et de son statut. Est-ce que ce type essaie de me donner un million comme ça Pas question. L'équité est la chose la plus importante dans cette compétition. Après tout, la dernière chose que je veux, c'est d'être championne dans une compétition truquée arrangée par lui. Alors qu'Anastasia retournait à son bureau avec des émotions compliquées, Grèce s'approcha avec une tasse de café et dit, Mademoiselle Tilman, vous avez une visite. Une visite? Qui? Elle est dans le salon. Peut-être devrais-je la faire venir ici, répondit Grèce. D'accord. Anastasia n'avait aucune idée de qui pouvait être cette visite, alors elle décida d'attendre pour le découvrir. Peu de temps après, un coup frappa à la porte juste avant que Grace ne l'ouvre et qu'une silhouette n'apparaisse derrière elle. Bien que cinq ans se soient écoulés depuis cet incident troublant, Anastasia fut immédiatement remplie de haine et de ressentiment. Dès que Grace ferma la porte derrière elle et s'en alla, Anastasia demanda glacialement C'est audacieux de ta part de passer par ici. Eilie esquissa un sourire en coin. J'ai entendu dire que tu travaillais dans cette région. Puisque je me trouvais à proximité, j'ai pensé que je devrais passer te rendre visite. Tu me répugnes. Anastasia serra les dents, réprimant l'envie furieuse de gifler cette femme en plein visage. Tu me répugnes Qu'est-ce qui ne va pas Tu n'étais pas satisfaite du gigolo avec qui tu as couché cette nuit là J'ai choisi le plus bel homme pour toi. Et il y sourit de manière sinistre. Ne me dis pas que tu te souviens encore du visage de l'homme. Tais toi. Anastasia trembla de la tête aux pieds de colère. Serais-tu capable de reconnaître l'homme s'il se tenait devant toi Continua Hailey en posant des questions de manière provocatrice. Chapitre 11. La rage d'Anastasia. Écarte-toi de ma vue. J'en ai assez de voir ton visage. Anastasia pointa la porte du doigt et hurla à Hailey. « Quel est le problème L'homme ne t'a pas satisfaite parce qu'il n'était pas assez fort et en forme tu devrais me monter un minimum de respect avant que tout le monde sache ton lourd secret. S'ils amènent à le savoir, je sais pas comment ton carrière pourrait évoluer. Bientôt, Anastasia appuya sur l'interphone et parla à Grèce. Viens ici, s'il te plaît. Dès que son assistante arriva, Anastasia pointa Ellie, assise sur le canapé, et dit froidement. Elle n'est pas mon invitée. S'il te plaît, fais-la sortir de cet immeuble. Qui dit que je ne le suis pas? Je suis venue ici parce que je voulais solliciter tes services pour la conception de bijoux. Et il y croisa les bras, jouant les hautaines. Cependant, elle ne savait pas que le collier qu'elle portait commençait à attirer l'attention d'Anastasia qui plissait les yeux pour mieux regarder. Pourquoi elle est porte-t-elle mon chef-d'œuvre? Ce collier est-il un vrai ou est-ce une contrefaçon très bien fait? Tu ferais mieux de sortir avant de m'énerver. Anastasia se leva et parla grossièrement à Allais. Mais elle répondit avec une grimace, serra les dents et ouvrit la porte. Je parlerai avec ton supérieur, avec un telle attitude je suis sûr que tu vas te faire virer. Pendant ce temps, Grace fut stupéfaite en voyant cela. Elle pensait d'abord qu'Eily était effectivement une invitée, mais elle se rendit compte qu'elle était là pour embêter Anastasia. Dès que Grace sortit du bureau, elle exhorta anxieusement sa supérieure à faire quelque chose. Elle ne doit pas se plaindre de toi, Miss s'il te plaît, arrête là. Sur le point de perdre son calme, Anastasia ouvrit la porte de son bureau juste avant de se retrouver face à Ellie qui grognait dans l'espace de travail ouvert. Dis à ton patron de me voir. Je veux me plaindre de ta designer, Anastasia. Je l'ai engagée en tant que cliente, mais elle m'a poliment rejetée et m'a dit de dégager de sa vue. À ce moment-là, tout le monde dans le bureau ne faisait que regarder la folie de cette femme en silence, comme s'ils assistaient à un spectacle. Anastasia prit rapidement une profonde inspiration et s'approcha de Ellie. Que veux-tu? Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu quittes cette entreprise. Ellie serra les dents et révéla sa nature sinistre. Déjà consumée par sa colère à propos de l'incident qui s'était produit il y a cinq ans, Anastasia finit par céder à ses émotions. Son impulsivité la poussa à donner une leçon à Ellie, même si cela pouvait lui coûter son travail. Avant qu'Eilly ne puisse réagir, Anastasia leva la main haut dans les airs et la lui abattit violemment sur la joue, lui donnant une grande claque. Ah y cria de douleur, s'effondrant au sol. Je suis ta cliente, Anastasia. Pendant ce temps, tout le monde dans le bureau retint son souffle alors qu'Anastasia gifla la cliente. Elle a perdu la tête ou quoi Comment elle peut frapper un client comme ça L'entreprise appartient à sa famille ou quoi Anastasia regarda le collier autour du cou de Halley et se sentit un peu mal à l'aise en le regardant. Par conséquent, elle ne se soucia pas de l'authenticité du collier et continua à ruiner la fausse comédie de Halley, en arrachant le collier de force au moment où elle s'est accroupie. « Ah !» Hailey poussa un cri de peur. Lorsqu'Anastasia essaya de lui arracher le collier, Hailey, piquée par sa propre explosion de colère, saisit rapidement sa main et refusa de le lui laisser détruire. C'est mon collier préféré. Il vaut plusieurs millions, personne ne peut le détruire. Tandis que les deux femmes se battaient pour le collier, une voix grave d'homme se fit entendre dans l'ascenseur. Arrête, Anastasia. Anastasia leva les yeux juste au moment où Hailey entendit elle aussi la voix familière. La jeune femme eut un air d'incrédulité avant d'être stupéfaite par ce qu'elle vit. Comment se fait-il qu'Eliot soit ici Voyant la poigne ferme d'Anastasia sur le collier d'Hailey, Elliot saisit immédiatement son poignet et la tira vers le haut, fronçant les sourcils de colère. Tu as fini de t'amuser Dès qu'Eliot eut fini de parler, il s'approcha d'Eily, qui était figée de peur car elle ne s'attendait pas à le voir là et ne savait pas qu'il connaissait Anastasia. Oh mon dieu, je suis dans la merde. Juste au moment où elle pensait que son secret allait être révélé, l'homme se pencha soudainement et demanda d'une voix douce. Ça va, Eli Eliot ça fait mal, et il y fit immédiatement semblant de pleurer, les larmes jaillissant de ses yeux comme une cascade à cet instant. Puis, elle se pencha faiblement dans les bras d'Eliot et fit semblant de tousser, couvrant son cou de sa paume comme si elle avait été étouffée douloureusement. Anastasia se tint là les yeux écarquillés à ce moment, incapable de croire que Allais et Elliot se connaissaient. Pourquoi Elliot la traite-t-il si gentiment Que sont-ils l'un pour l'autre Ignorant cela, tous les autres téléspectateurs étaient terrifiés par anastasia et pensaient que sa carrière était ruinée parce qu'elle avait giflé la petite amie du patron. de son côté, élie observa l'interaction entre anastasia et elliot tout en se cachant derrière son visage en pleurs. mais à mesure qu'elle continua à regarder attentivement, elle commença à se réjouir car elle était sûre qu'anastasia n'avait aucune idée qu'elle avait passé la nuit avec elliot. Elle conclut donc qu'aucun d'eux ne savait qu'ils avaient couché ensemble cette nuit-là et est reconnaissante que la chance ait été de son côté. « Porte-moi, Elliot » supplia-t-elle pathétiquement, mettant son bras autour des épaules d'Elliot. Remarquant le sort de Hailey et ses joues enflées, l'homme la souleva et se dirigea vers l'ascenseur. À peine la porte de l'ascenseur fut-elle refermée que Anastasia resta encore dans sa transe. « Je n'arrive pas à croire qu'Hailey soit devenue la petite amie d'Elliot en seulement cinq ans. Qu'est-ce que tu attends, Anastasia Prends tes affaires et barre-toi d'ici. Je n'arrive pas à croire que tu t'es mis à dos la petite amie du président presgrave, comme si offenser un client ne suffisait pas. C'est vraiment culotté de ta part. Alice s'approcha et se moqua d'Anastasia, pensant que la récompense lui revenait point pendant ce temps. Anastasia prit une profonde respiration et décida de prendre un peu de temps pour digérer la nouvelle, trouvant cela trop étrange de croire qu'Elie était devenue la petite amie d'Eliot. Je ne comprends pas ce qu'Eliot trouve d'attirant chez une femme aussi méchante qu'Elie. La seule explication est que cet homme est devenu aveugle. C'est la seule réponse possible. Après tout, il mérite quelqu'un de mieux que cette femme perfide. Anastasia retourna dans son bureau, perplexe, ferma la porte et se coupa des rumeurs qui circulaient à l'extérieur de son bureau. Pendant ce temps, Elliott s'assit sur le canapé de son bureau pendant que Allait essuya ses larmes avec un mouchoir et se plaignit de ce qui s'est passé plus tôt. Anastasia et Emma, camarade de classe. Elle et moi avons eu une histoire tumultueuse, mais je n'ai jamais pensé que si je l'approchais, elle m'humiliera, encore moins qu'elle allait me rejeter. Quand je lui ai dit que je viens me plaindre auprès de son supérieur, elle m'a attaqué et m'a battu, elle m'a même étranglé avec le collier. Regarde mon cou, c'est tout rouge maintenant. Remarquant la marque rouge autour du cou d'Eli, Elliot pouvait se rendre compte à quel point Anastasia avait été violente avec elle et commença à revoir sa perception du caractère d'Anastasia. Je compatis qu'elle a perdu sa mère quand elle était petite et que son père l'avait ignorée, mais je n'aurais jamais cru qu'elle serait capable d'arriver jusqu'à me frapper. Elle couvrit son visage et pleura. Je vais m'occuper de cette affaire. Elliot réconforta la jeune femme. Je vais faire en sorte que quelqu'un te ramène à la maison. Comment comptes-tu régler cette affaire, Elliot Tu vas la renvoyer Eily regarda Elliot avec un visage larmoyant, essayant de jouer sur la sympathie de l'homme en montrant son côté vulnérable. Bientôt, Elliot appela l'interphone et demanda à son assistant de ramener Eily chez elle. Lorsqu'elle se leva de son siège, elle saisit la manche d'Elliot et le pressa d'agir contre Anastasia. Elliot, tu ne dois pas être indulgent envers cette femme. Quelqu'un sans éducation comme elle n'est pas digne de travailler dans ton entreprise. Chapitre 12. La sortie d'Anastasia, démission. Sois une gentille fille, d'accord Elliot caressa doucement la tête de Hélie. À cet instant, Eily était aux anges, se sentant satisfaite d'avoir gagné les faveurs d'Elliot. Contrairement à Anastasia, Eily était flattée par le soudain privilège qui entrait dans sa vie. Cependant, elle décida rapidement de ne pas insister par peur des conséquences que pourrait entraîner sa cupidité. De plus, elle espérait gagner le cœur d'Elliott avec son caractère docile. Elle essayait d'être aussi douce que possible, n'ayant pas une beauté qui pourrait impressionner n'importe quel homme. Pensant avoir remporté la bataille, elle croyait qu'Anastasia serait bientôt licenciée et elle se sentait rassurée. Dès que Ellie disparut de sa vue, Elliott attrapa le téléphone et composa l'interphone. Bonjour. On entendit la voix d'Anastasia. Venez immédiatement dans mon bureau. Répliqua l'homme d'une voix en colère. Pendant ce temps, Anastasia respira profondément dans son bureau, pensant que son destin est scellé pour le pire. Eh bien, si quelque chose ne va pas, je vais tout simplement démissionner et quitter Bourgeois. Elle prit ensuite l'ascenseur jusqu'au huitième étage et se rendit au bureau du président, où elle frappa à la porte et entra dans la pièce. Elliot, quant à lui, s'assit dans son fauteuil, dégageant un air intimidant qui imprégnait l'atmosphère de la pièce. Expliquez-vous. L'homme interrogea Anastasia sur son excès de violence en tant que patron. Anastasia plissa les yeux, pensant qu'il n'y avait aucune raison d'expliquer de toute façon, et qu'Eliot croirait son ami allait sans aucun doute. Qui est allé pour toi demanda Anastasia en fronçant les sourcils. Tu as oublié ta place, Anastasia tu es mon employé, et puisque tu es dans l'erreur maintenant, c'est à toi de répondre à mes questions. Répliqua Elliot. Sachant ce que l'homme essayait de dire, Anastasia leva les coins de ses lèvres. Tu as vu ce qui s'est passé. Je lui ai donné une gifle, alors quel genre d'explication veux-tu entendre de ma part Pourquoi voulais-tu la frapper Est-ce que c'est parce qu'elle voulait se plaindre de ton comportement C'était personnel. C'est pour la même raison pour laquelle elle est venue me voir aujourd'hui. Je sais que c'était de ma faute que s'en est venue en main, mais elle le méritait. Anastasia resta fermement sur ses positions, refusant de reculer. Elliot regarda Anastasia avec un regard compliqué, se demandant si la raison derrière sa nature irrationnelle était réellement la mort de sa mère et la méthode d'éducation douteuse de son père. Si tu es prête à reconnaître ton erreur, je te promets que je te laisserai passer cette fois, Anastasia. Reconnaître mon erreur Tu veux dire m'excuser auprès de Hayley Anastasia ricana sarcastiquement et serra les dents. Il n'y a aucune chance que je fasse ça. Anastasia, c'est un bureau, pas un endroit où régler tes comptes personnels. Elliot réprimanda Anastasia avec colère, se sentant à bout de patience en essayant de raisonner avec la fille de sa sauveuse. De plus, Hayley était la femme qu'il pensait avoir cherchée et dont il avait eu besoin ces cinq dernières années. Dans ce cas, je démissionnerai. Anastasia se raidit et prit sa décision, pensant qu'elle devrait simplement partir et laisser tous les problèmes derrière elle. Très bien, je démissionnerai. Restez là, Anastasia, cria l'homme. Anastasia s'arrêta sur place sans se retourner, car elle ne voulait plus regarder le visage d'Eliot. Maintenant qu'elle avait réalisé qu'il était le petit ami de Hayley, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'agacement rien qu'en le regardant. Quel gâchis, Elliot. Tu es un homme si séduisant, mais malheureusement, tu es aveugle. Je ne vais pas te licencier. Tu peux rester, mais je veux que tu me promettes qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Tu m'entends? Elliot fit de son mieux pour garder Anastasia dans son entreprise, car il était lié par le souhait de sa grand-mère de veiller sur lui. Inutile de dire que la passion brûlante d'Anastasia pour le design l'a également rendue incapable de supporter l'idée de quitter son poste actuel. De plus, elle aimait aussi travailler pour bourgeois et a travaillé pour bourgeois pendant trois ans. Elle se retourna rapidement, attrapa l'homme appuyé sur la table avec ses bras et avertit à de faire attention. Hélène n'est pas aussi attentionnée que tu le penses. Un jour, tu ne veux pas non plus tomber dans son piège, alors garde un œil sur elle quand tu es avec elle. Eh bien, c'est toi qui as eu recours à la violence aujourd'hui, répliqua Elliott en plissant les yeux. Sans qu'Elliott ne le sache, Anastasia voulait faire plus que simplement battre Eli. Au fond d'elle, elle aurait souhaité pouvoir la tuer, mais elle décida de garder cette pensée pour elle-même, compte tenu de l'inquiétude d'Elliott pour Eli. Bientôt, elle retourna dans le bureau, tandis que Félicia ne reçut aucune notification de licenciement, ce qui surprit tout le monde dans l'entreprise. Après tout, ils se demandaient tous comment Anastasia avait pu s'en sortir après avoir frappé la petite amie de leur président. Grèce arriva avec une tasse de café, réconfortant sa supérieure. Mademoiselle Tilman, êtes-vous sûre que tout va bien? Je vais bien. Anastasia fut tellement en colère qu'elle eut presque perdu toute son inspiration. Elle posa donc le crayon et se frotta le front. Que racontent les gens là-bas? Mademoiselle Tilman, vous devriez juste ignorer leur ragot, Dit Grèce. Dites-moi de quoi il parle. Ils disent que vous étiez soutenu par quelqu'un de si puissant que même le président presgrave n'a pas pu se débarrasser de vous. Certaines personnes disent même que vous êtes son amant, alors voilà pourquoi cette femme s'est battue avec vous quand elle a su votre relation avec lui. Répondit Grèce en remarquant l'expression d'Anastasia. Anastasia éclata de rire quand elle entend cela, et fut dégoûtée à l'idée d'être avec le petit ami de Elle, qui fut aussi stupide. Peu de temps après, Félicia l'appela dans son bureau et la réprimanda au sujet du comportement à adopter avec les clients. Sinon, elle serait définitivement renvoyée de l'entreprise, quelle que soit la décision d'Eliot. Aussi choquée qu'Anastasia puisse être, elle ne voulait pas expliquer toute l'histoire, car il y avait simplement trop de choses à dire entre elle et Ellie. De plus, elle était trop gênée pour mentionner ce qui s'était passé il y a cinq ans à quiconque. Malgré tous les événements bouleversants, son humeur s'améliora lorsque son téléphone sonna dès son retour dans son bureau. Allô Pourquoi as-tu l'air si fatigué Une voix masculine se fit entendre. Eh bien, je suis effectivement fatigué. Quand rentres-tu Dans quelques jours, je suppose. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a bientôt une foire de bijoux haut de gamme, et je vais ajouter ton nom à ma liste d'invités. Comme ça, tu auras toutes les chances d'explorer la foire comme tu le souhaites, car je parie que tes bijoux préférés seront probablement présents. Vraiment C'est génial Quand est-ce Anastasia ressentit une montée d'excitation dans tout son corps. Elle aura lieu ce samedi à 19h. Elle durera probablement deux heures et se terminera vers 9h. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de Jared pour toi demanda l'homme avec inquiétude. Oui, il y en a. Je pourrais demander à mon assistante ou à mon père de s'en occuper. Anastasia ne voulait pas rater cette occasion en or d'explorer la foire de bijoux, où elle pourrait admirer des chefs-d'œuvre de qualité de certains des meilleurs designers. D'accord. Amuse-toi bien. Quand je rentrerai, je t'inviterai à un bon repas. Aucun problème. J'attendrai. Anastasia raccrocha juste au moment où une silhouette attrayante lui traversa l'esprit. Il s'avéra que l'appel provenait de son bon ami, Nigel Manson. Tandis que l'homme avait été élevé dans une famille aisée, tous les deux avaient appris à se connaître avant le retour d'Anastasia dans le pays. Pensant que chacun rencontrerait quelqu'un qui les aiderait à un moment donné de leur vie, elle croyait que Nigel était cette personne pour elle. Samedi soir C'est dans deux nuits, n'est-ce pas Anastasia commença à attendre avec impatience l'occasion. De son côté, et se frotta la joue enflée avec un peu de glace dans le luxueux manoir. Au fond d'elle-même, elle ne pouvait pas réprimer sa rancune contre Anastasia, à qui elle reprochait d'avoir provoqué cette enflure. Mon visage est ce qui compte le plus pour moi, et pourtant Anastasia la visait directement. Maudite soit-elle Je ne la laisserai pas s'en tirer aussi facilement, Anastasia. Hailey attrapa alors son iPad et commença à parcourir les actualités quand elle vit une célébrité féminine exhibant sa carte d'invitation à une foire de bijoux haut de gamme. À cet instant, Hailey fut tentée d'assister à l'événement, pensant que cela pourrait rehausser son statut puisqu'elle s'efforçait de s'intégrer à la classe supérieure de la société. Bien qu'elle sache qu'un événement de ce genre n'était pas une place pour quelqu'un comme elle, elle se demandait si elle pourrait utiliser la famille Presgrave comme son passe pour assister à l'événement. Chapitre 13 une invitation à la foire aux bijoux À cette pensée, Ellie attrapa son téléphone et composa le numéro d'Eliot. Allô, est-ce que ça fait toujours mal Elliott, je veux assister à une foire de bijoux. Peux-tu m'y emmener implora Ellie. Quelle foire aux bijoux Laisse-moi te montrer une vidéo. Ellie raccrocha et envoya rapidement la vidéo à Elliott, juste avant de recevoir un SMS qui disait simplement D'accord, je t'y qu'emmènerai. Eilis exclama d'excitation, mais se fit accidentellement mal à la joue enflée. Alors qu'elle gémissait de douleur, elle se mit à maudire Anastasia une fois de plus. Espèce de garce, Anastasia Tu es une créatrice de bijoux et tu ne peux même pas assister à une foire de bijoux haut de gamme comme celle-ci. D'un autre côté, Anastasia tomba sur la même vidéo de la foire de bijoux dans son bureau et apprit des autres invités qu'il fallait respecter un code vestimentaire formel pour l'occasion, faute de quoi l'accès serait refusé. À cause de cela, elle s'inquiéta, ne sachant pas quoi faire car elle ne pouvait pas se permettre de louer une robe de banquet de bonne apparence. Juste au moment où Anastasia se souciait de son code vestimentaire pour la foire de bijoux, ses pensées furent soudainement interrompues par un appel téléphonique provenant d'un numéro non identifié. Néanmoins, elle décrocha et dit. Bonjour. Bonjour, puis-je parler à mademoiselle Tilman? Je vous appelle de la boutique de vêtements FH pour vous informer que notre client vient de réserver une robe de banquet pour vous. Seriez-vous libre pour passer l'essayer plus tard dans l'après-midi? Une robe de banquet pour moi? Anastasia fut stupéfaite, mais comprit rapidement qu'il s'agit de Nigel. Bien sûr, je passerai plus tard. Comme c'est attentionné de sa part. Anastasia attrapa son téléphone et envoya un SMS à l'homme avec un émoji reconnaissant. Merci beaucoup, Nigel. De rien. J'espère que ça te plaira. Nigel répondit avec un gros émoji souriant. Bientôt, Anastasia demanda une heure de congé plus tard dans l'après-midi car elle se rendit compte que la boutique de vêtements était à deux pas de son bureau. Étant une marque internationale, la boutique FH était souvent visitée par de nombreuses personnes de la haute société. Dès qu'Anastasia entra dans la boutique, elle fut accueillie par la propriétaire elle-même. Veuillez me suivre, mademoiselle Tilman. Par la suite, Anastasia fut conduite dans la salle VIP au deuxième étage, où elle se retrouva face à la robe sur le mannequin, comme si elle l'attendait silencieusement. Oh mon Dieu C'est magnifique Anastasia complimenta la robe juste au moment où la propriétaire montra du doigt la robe sur le mannequin. C'est la robe que monsieur Manson a réservée pour vous, mademoiselle Tillemont. Est-ce qu'elle vous plaît Anastasia écarquilla un peu les yeux, se demandant à quel point Nigel était riche. Est-ce qu'il est milliardaire ou quelque chose comme ça Je n'arrive pas à croire qu'il a réservé une robe de banquet aussi chère pour moi. Bientôt. Elle entendit la propriétaire de la boutique expliquer davantage la robe avec un sourire. Cette robe de banquet est un chef-d'œuvre de nos meilleurs designers. Le tissu a été cousu avec environ 8000 perles de diamants, et la robe est vendue 8 millions dans notre magasin. Le cœur d'Anastasia manqua un battement en entendant ce que la propriétaire disait. Est-ce que Knight je l'essaie de me donner une crise cardiaque ou quoi Cette robe n'est certainement pas bon marché du tout. Quelques perles de diamants suffiraient à me ruiner, alors imaginez si je les perds par accident. Est-ce qu'il y a une autre robe que vous pourriez me recommander Peut-être Anastasia estima que la robe était trop chère pour elle. Mais monsieur Manson a déjà payé la robe en votre nom, mademoiselle Tilman. De plus, je pense qu'elle vous convient très bien. La propriétaire montra son approbation en louant la beauté d'Anastasia malgré sa tenue ordinaire. Pendant ce temps, Anastasia tomba profondément amoureuse de la robe, car elle aimait tout à son sujet, en dehors du prix. D'accord, je vais l'essayer. Elle décida d'arrêter d'être timide, pensant qu'elle pourrait rendre la pareille à Nigel en l'invitant à des repas élégants tout au long de l'année. Après tout, elle ne voulait pas manquer l'occasion d'assister à la foire de bijoux. Ainsi, Anastasia passa et essaya la robe de banquet, réalisant à quel point elle lui allait bien. On lui dit alors de revenir à la boutique de vêtements le lendemain vers 16 heures, car des maquilleurs et des coiffeurs seraient présents pour l'aider à se parer de bijoux. Plus tard dans la soirée, elle dit à Jared qu'elle allait assister à une foire de bijoux et lui demanda s'il préférait que Francis ou Grace s'occupe de lui. Bien que le garçon préférait que son grand-père vienne, elle appela Francis et organisa le plan avec lui. Sans surprise, Francis accepta de garder Jared pendant l'absence d'Anastasia et lui dit qu'il emmènerait dans un restaurant élégant et passerait la nuit avec lui. Ce n'est qu'après avoir pris ses dispositions qu'Anastasia put enfin être tranquille au sujet de son fils. Quand arriva le samedi, Anastasia emmena son fils au centre commercial tôt le matin pour lui acheter des légumes et des snacks. Ensuite, elle rentra chez elle pour continuer son travail de création pendant que Jared jouait avec ses Legos. Dans le même temps, ils étaient accompagnés par la brise légère qui s'engouffrait par la fenêtre, faisant flotter les rideaux blancs avec elle. L'ambiance paisible et tranquille dura jusqu'à 15h30, lorsque Francis arriva avec des fruits et du lait. Ensuite, Anastasia confia son fils à son père et sortit immédiatement tandis que Francis s'assit sur le canapé et regardait Jared avec amour. Mon Dieu J'aime tellement ce petit garçon si mignon Peu de temps après, Anastasia arriva précipitamment à la boutique de vêtements où la propriétaire avait tout préparé pour elle. Ensuite, l'une des maquilleuses l'observa et commenta son apparence de manière surprise. Mademoiselle Tilman, vous avez une peau parfaite, comme s'il n'y avait pas de porc du tout. Comment maintenez-vous votre peau en si bonne santé Quels produits de soins haut de gamme utilisez-vous Oh, c'est juste la crème hydratante que j'applique habituellement sur la peau de mon fils. Anastasia pinça les lèvres et sourit tandis que les deux maquilleuses comprirent instantanément qu'elle était née avec une peau aussi parfaite. Oh, comme j'aimerais avoir sa peau! Anastasia ferma les yeux dès que les maquilleurs commencèrent à appliquer du fond de teint sur son visage. Puis ils décidèrent de laisser ses sourcils épais naturels et sont passés à l'eyeliner. Ensuite, ils appliquèrent du rouge à lèvres en s'émerveillant de sa beauté comme un diamant étincelant. Les maquilleurs relevèrent les cheveux d'Anastasia faire les boucles autour de ses oreilles et ajoutèrent des boucles d'oreilles en diamant assorties au collier qu'elle portait. Laissez-nous vous aider à enfiler votre robe de banquet, mademoiselle Tilman. Anastasia acquiesça en réponse, enfilant la robe de lune blanche tout en voyant à quel point elle était magnifique dans le miroir. Mademoiselle Tilman, nous avons également prévu un chauffeur pour vous emmener là où vous devez aller. Votre voiture vous attend à la sortie. Merci. Anastasia sourit avec gratitude. Profitez de votre soirée. Le commerçant conduisit Anastasia hors du magasin de vêtements, et Anastasia regarda pensivement la Benz devant elle. Je suppose que je ne connaissais pas Nigel aussi bien que je le pensais. Lorsque nous nous sommes rencontrés à l'étranger, il a dit que sa famille travaillait dans l'hôtellerie. De son côté, et il y travailla également dur pour se rendre aussi belle que possible. Pour cela, elle avait engagé une équipe de maquilleurs professionnels qui avaient déjà travaillé pour des célébrités, déterminée à dissimuler son apparence ordinaire avec le maquillage pour ressembler à une mondaine. Pendant ce temps, une mystérieuse Rolls-Royce noire se gara devant le manoir et Elliot sourit en costume noir impeccable, attendant patiemment. Ellie se tint dans le salon en fixant ses yeux sur l'homme qui s'approchait d'elle, son cœur battant rapidement. Mon Dieu, qu'il est beau. Comment je suis, Elliot? Hailey cligna timidement des yeux, voulant entendre son compliment. « Tu es superbe. » Elliot acquiesça, bien qu'il se rendit compte que ses sentiments pour heily étaient bien plus que simplement son apparence. Après tout, il était convaincu qu'elle avait sacrifié sa virginité pour lui il y a cinq ans et qu'elle souffrait d'un traumatisme qui la suivrait toujours. Par conséquent, il se promit de faire de son mieux pour se racheter auprès de Hailey. « Allons-y alors. » Eily saisit le bras d'Eliot, impatientant d'être arrivée à la foire aux bijoux. En même temps, elle fut heureuse d'avoir Elliot à ses côtés, pensant qu'elle serait la femme que toutes les autres femmes enviraient partout où elles iraient. Chapitre 14. La peur de Hailey La foire aux bijoux se déroulait dans une salle d'exposition privée avec une sécurité stricte. Les allées et les rues autour du lieu étaient fermées par des gardes de sécurité qui vérifiaient attentivement chaque invité convié à l'événement. Anastasia soupira de soulagement dès qu'elle passa le contrôle de sécurité avec son sac orné de perles. Après cela, elle fut prête à profiter des privilèges qu'une invitée VIP devrait avoir lors de l'événement, alors qu'une concierge la conduisait vers la salle du banquet. Anastasia se trouva bientôt dans une pièce magnifique d'où l'on pouvait voir des rangées de vitrines. Cependant, comme l'événement n'avait pas encore commencé, les invités étaient invités à profiter du buffet avant de prendre place. Le siège d'Anastasia était dans la sixième rangée, une rangée convoitée par tout le monde. Cependant, personne ne sur que sa place était à l'origine destinée à Nigel. Anastasia était assise à côté d'un homme qui doit avoir à peu près trente ans alors que d'autres clients remplissaient lentement les sièges vides. Avec ses cheveux brillants et ses vêtements typiques, il ne ressemblait pas à un homme normal. À ce moment, il tourna son regard vers Anastasia et réalisa qu'elle était différente des autres, même s'il y avait beaucoup d'autres belles femmes autour. Enchantée, mademoiselle. Je m'appelle John Curtis. Voici ma carte de visite. John tendit à Anastasia sa carte de visite, qui disait. Président de Deluxe Incorporated. Bonjour, je suis Anastasia Tillman. Anastasia se présenta avec un sourire poli. Pendant ce temps, deux invités arrivèrent en retard à la salle d'exposition. Anastasia remarqua deux silhouettes, un homme et une femme, entrant dans le lieu en se tenant la main. Elle ne put s'empêcher de se demander qui était en retard, mais quand elle leva les yeux, elle fut instantanément stupéfaite de découvrir qu'il s'agissait d'Eliot et de Hailey. Oh là là Le monde est si petit. Anastasia fixa Hailey, qui était habillée comme un ange, serrant sa taille alors qu'elle pouvait à peine cacher sa haine envers cette dernière. D'autre part, Elliot portait un costume noir cher et un pantalon délicat, qui accentuait son aura forte et intimidante. En même temps, chaque autre dame, qui avait les yeux sur l'homme, était toute stupéfaite de voir le président de Pressgrave Corporation, mais quand elles ont remarqué la dame qui l'accompagnait, elles ont commencé à froncer les sourcils à cause de son apparence ordinaire et se demandaient si elle était sa petite amie. De son côté, Elliott portait un costume noir coûteux et un pantalon délicat, ce qui accentuait son aura forte et intimidante. En même temps, toutes les autres femmes, qui avaient les yeux rivés sur cet homme, furent stupéfaites de voir le président de Pressgrave Corporation, mais lorsqu'elles remarquèrent la dame qui l'accompagnait, elles commencèrent à froncer les sourcils devant son apparence ordinaire et se demandèrent si elle était sa petite amie. Pourtant, Hélène pouvait s'empêcher d'être jalouse de Halle et souhaitait pouvoir prendre sa place. Faisant semblant de ne pas remarquer sa présence, Anastasia leva le verre et but le vin rouge. Cependant, Ellie nota soigneusement la présence d'Anastasia et fut immédiatement surprise, car elle ne s'attendit pas à ce qu'elle soit présente à un événement aussi glamour. Qui est-elle pour pouvoir assister à un tel événement, mérite-t-elle d'être là Peu de temps après, Elliot prit également conscience de la présence d'Anastasia et fut accidentellement placée devant elle. Alors Anastasia n'eut pas d'autre choix que de lui faire face à contre-séur, peu importe à quel point elle détestait ça. Au moment où elle leva les yeux, le visage masculin ciselé et les beaux traits ont émergé à la lueur des bougies, et elle fut accueillie avec un regard charmant. Il semblait encore plus attirant avec ses sourcils épais et naturels, son regard séduisant et son nez droit et haut. Mon Dieu Comment une personne peut-être aussi séduisant Anastasia cligna des yeux et fixa l'homme, qui la fixa également pendant quelques secondes. Elle sentit immédiatement le regard haineux dirigé vers elle avant de réaliser que elle allait la fixer aussi. Faisons un toast, mademoiselle Tilman. John essaya d'engager la conversation avec Anastasia. Anastasia leva son verre et trinqua avec John, lui souriant préférant regarder John plutôt qu'Eliott. « Pff. Puisqu'Eli est mon ennemi, son petit ami l'est aussi. Mademoiselle Tilman, vous devez goûter ceci. Croyez-moi, vous allez adorer. John sentit l'enthousiasme d'Anastasia et eut bon espoir de conquérir le cœur de cette femme. Merci. Anastasia prit la pâtisserie que l'homme lui offrit et en prit une bouchée tout en affichant un sourire doux. Pendant ce temps, Haile saisit le bras d'Eliot et lui montra avec coquetterie les desserts plus loin. Elliott, je veux celui-là. L'homme tendit son long bras et lui apporta la pâtisserie, qu'elle commença à déguster. En même temps, elle jeta parfois des regards moqueurs à Anastasia avec joie pour se vanter devant cette dernière. Pendant ce temps, Anastasia écarquille les yeux vers allait se demandant comment elle a réussi à gagner le cœur d'Eliot et à lui faire faire tout ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui ne va pas avec Eliot? Je n'arrive pas à croire qu'il traite cette femme comme la prunelle de ses yeux. Excusez-moi. J'aimerais aller aux toilettes. Anastasia ressentit le besoin pressant de répondre à l'appel de la nature et se leva. Révélant sa robe scintillante qui mettait en valeur sa taille fine, de quoi couper le souffle de n'importe quel homme. De son côté, John avait les yeux rivés sur Anastasia qui s'éloignait, juste au moment où Elliot leva son verre et remarqua la présence de la dame. « Oh là là, c'est vraiment une surprise de la voir ici. Elliot, je reviens tout de suite. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Hailey se leva également et la suivit de près tandis qu'Anastasia se lavait les mains seules dans les toilettes magnifiques, Eilie entra rapidement et s'approcha d'elle. Ne me dis pas que tu es entrée ici grâce à un homme avec qui tu sors. Eilie regarda Anastasia dans le miroir et la taquina. Cela ne te concerne pas. Anastasia lui lança un regard froid en réponse à la réflexion hostile de la dame. J'ai entendu dire que la liste des invités de ce soir était très sélective. Après tout, les gens normaux n'ont jamais eu la chance d'être ici, et tu es l'un d'entre eux. Alors pourquoi es-tu là Et toi Tu n'es pas mieux que moi, après tout. Anastasia se moqua de Haley. Je suis la petite amie d'Eliot, et ça me place devant toi, répondit Hailey avec complaisance. Anastasia grogna et dit. Me croirais-tu si je disais que je suis sa femme Que cela t'affecterait Que veux-tu dire Le visage de Haley changea. Est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé cette nuit-là